papa, tu crois que ça serait possible que la médaille elle passe comme ça, et au lieu d'être en bas, ça soit en haut? Alors tu vois, quand tu as un pendule qui est comme ça, eh ben, il revient naturellement à sa position d'équilibre, tu vois, vers le bas. Parce que quand je le mets comme ça, ben, il y a la force de la gravité qui le rappelle vers ici. Ok? Quand je suis ici, cette position, elle est théoriquement stable quand je suis pile au milieu. Par contre, dès que la masse s'écarte, eh ben, il y a une force qui va la rappeler vers ici, donc cette position, elle est dite instable. D'accord? Et ça se décrit avec des équations, un modèle physique et des équations mathématiques. Et ces équations, elles démontrent que le seul point de stabilité, quand ce point est fixe, eh ben, c'est cette position. Voilà. C'est la seule position stable. Mais alors, il y a des gens qui se sont aperçus que si tu faisais bouger ce point ici, eh ben, il y avait une position qui était stable. C'est-à-dire que cette position verticale, elle est stable, et cette masse, si tu l'écartes, elle va avoir tendance à revenir au centre. Mais la personne qui avait trouvé ça, elle était incapable de l'expliquer. Elle avait juste observé, mais elle n'avait pas compris pourquoi ça faisait ça. Et il y a un Russe dans les années 50 qui s'appelle Kapitsa. Lui, il a réussi à décrire le phénomène avec un modèle et des équations mathématiques, et il a réussi à démontrer mathématiquement pourquoi cette position était stable. Et donc le pendule stable qui fonctionne comme ça, avec un point oscillant, ça s'appelle un pendule de Kapitsa. Voilà. D'accord. Et on va regarder ça. Voilà. Donc là, il ne tient pas droit. C'est normal parce que ma scie sauteuse, elle n'est pas encore allumée. Donc là, je vais allumer ma scie sauteuse et ça va faire bouger le point d'attache comme ça, de haut en bas. Et on va voir si le mobile, si la masse, elle va rester verticalement ou pas.
Donc si toi aussi tu as un papa un peu foufou comme moi qui veut te faire cette expérience, eh ben pense quand même à lui dire de faire très attention parce que il y a une scie sauteuse, hein, c'est quand même un outil qui peut être très dangereux. Alors déjà il faut bien penser à fixer correctement la scie sur un point d'attache, donc un établi ou quelque chose de très très solide et bien ancré dans le sol. Et puis il faut bien mettre des protections auditives. Et voilà, il faut bien faire attention. Alors, ça t'a plu? Et c'est quoi la prochaine expérience, papa? Tu verras dans la prochaine vidéo.